Est-ce que c'est possible? Non. Si c'est pas possible. Non, pas encore. Par 3? Ouais. Vas-y. Et maintenant, tu peux diviser par combien? Par 3, Non. maintenant. Par 2, je crois. 49, on peut diviser par 7. N'est-ce pas? Ouais, donc ça fait 7. 7. Par 7. Voilà, on a 7. Et par 7 encore, on a 1. Voilà. Un aussi. Oui, tu mets un aussi. Parce qu'après, de toutes les façons, Mais après, je sais plus, ça je peux change. calculer ça. Voilà. Donc maintenant, on a. Regardez. Oh. Donc on a ici. Carré. Carré. Oh, ça. Donc, ce qu'on va vérifier, tu vas calculer. Est-ce que 2 fois 2 fois 3 fois 7 fois 1 donne 588? Ouais. T'as calculé? Ouais. Voilà. Ça fait 2 fois 2. Ouais. Donc, égal, on a ici 2 au carré, n'est-ce pas? Fois, on va rapprocher ce qui est carré, hein, fois 3, donc fois 1. Donc, comme on a racine, carrée de 588 égale à la racine carrée de 2 au carré fois 7 au carré fois 3. Comme je vous ai dit, on peut extraire les racines. C'est-à-dire qu'on sort tous les membres qui sont élevés au carré. Ça va donner ceci, 2 fois 7, puisque ça au carré, racine de 3. Ce qui va donner 2 fois 7, 3. Ce qui nous donne racine de 3. 14, racine de 3. Maintenant, pour vérifier que c'est juste, hein, pour vérifier que c'est juste, vous avez, si vous faites racine carrée de 588, vas-y, racine carrée de 588, on va trouver une réponse. 24,24. Voilà, racine carrée de 588 égale 24,24. Maintenant, racine de 3, égale 1,73. Maintenant, 14 racine de 3 égale à 14 fois 1,73 égale. Là, 24,24. Voilà, exactement la même réponse. Donc, 24,24. Encore les enfants. En note. Parce qu'au brevet, je suis convaincu qu'on va vous redonner la même chose. Au brevet, on vous demande toujours de trouver un résultat le plus grand. Envers, c'est toujours un calcul. Envers. Envers cette racine-là, racine carrée de 588, c'est égal, quand on calcule directement avec la calculatrice, on a 24,24. Hein? Donc c'est un autre calcul encore. Non, c'est le même calcul. C'est le même calcul, juste pour faire la preuve. Tu vois? Juste pour montrer que c'est ah, le même résultat. Non. Donc ça, c'est le résultat de 14. Ça, c'est racine de 588. Attention. Allez, attention. Et maintenant, il faut noter que racine carrée de 588 est égale, si on passe directement par la calculatrice, à 24,24. Tu peux noter. Ça va te permettre de comprendre comment décomposer. Ça fait 24,24. Maintenant, si tu prends ce résultat, donc le résultat 14 racine de 3, correspond à 14 multiplié par racine de 3. Bon, la racine de 3, ça fait 1,73. Et quand on multiplie, on a exactement le même résultat que celui-là. D'accord? On note. Je vous filme. Bon.
Bon, Benjamin. Bon, on s'est arrêté où la dernière fois? On a fait. Oh, dis-moi, on s'est arrêté où? On a fait ça? On a fait ça aussi? Non. Voilà, donc tu le fais. Sors ton cahier. Tu fais le 9, le 10, le 11 et on corrige. D'accord? Et après, on va passer au rêve et aux priorités. D'accord? Allez, c'est parti. Voilà, pour les racines carrées. Dites-moi, est-ce qu'on vous a appris à rendre un dénominateur entier? Dites-moi. Non, c'est pas le problème. Vous pouvez faire peut-être que je pense. C'est-à-dire que quand on vous donne, ça peut être pour les classes supérieures, hein, c'est pour ça que je pose la question. On vous donne dans un A, on vous donne A égale à 3 racines de 2. Il faut rendre en type. Donc, vous avez fait? Non. Non. Je laisse, hein, parce que c'est quand même assez compliqué. D'accord. Il faut multiplier. Il faut multiplier le numérateur. 3 est égal à 3 sur 3. On fait 3 fois racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2. Okay. Vous avez vu ça? Non. Moi, ça me dit quelque chose. Encore, ça va. Après, c'est fait une fois jusqu'à la fin. Je fais jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à la fin, on a ici 3 racine de 2 sur racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 4. Donc, c'est 2. Donc, on a ici 3 racines de 2 sur 2. Oh non, on n'a pas de problème. Moi, ça me dit quelque chose. Non, 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 fermez les. Non, mais pour moi, c'est quelque chose. Non, mais je ne sais pas si ça me dit vraiment. Je crois qu'on a déjà fait un truc du genre. Parce que je ne me rappelle pas le titre, c'est quoi le titre? Rendre le dénominateur entier. Le titre, ça me dit rien, mais le calcul. On laisse tomber. Ouais, mais je vais juste noter ça. Il est curieux. Bon, on laisse. Il y a cette, toute cette partie-là, elle est assez compliquée. Donc on va laisser. Bon, maintenant, je vais vous donner une suite. Paolo, c'est toi Paolo. Ouais. Tu vas au tableau, s'il te plaît. Tu me décomposes racine de 2304. C'est pas juste le truc. Racine de 2000. Je fais. Vous avez noté la théorie? Oui, je suis en train de. Lucas, tu as noté la théorie là? Voilà. Tu peux maintenant me décomposer la racine carrée de 2304. La racine carrée de 2304. La racine carrée de 2304. Donc toi, tu vas calculer directement pour qu'on puisse comparer après, hein, si le résultat est bon. Tu vas l'aider d'abord. Fais 2304 divisé par 2. Non. Comment? 1000. 2304. Ouais, 2304. Divisé par. Ah, par 22. Ouais. Attends, tu te trompes. C'est impossible. 1152. Tu peux en savoir comment avant réduire un dénominateur? Non, 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 rendre le dénominateur quantique. 516. Divisé par 2. Tu les as changés plusieurs fois. Ah, c'est bien. Divisé par 2. Divise encore par 2. 288. Tu peux encore diviser par 2. Divisé par 2. 144. Voilà, tu peux encore diviser par 2. 72. Tu peux encore 72. 12, 72. Tu peux encore diviser par 36. 36. Tu peux encore diviser par 2. 18. Et diviser par 2. Tu vas encore plus, toi. Sûr. Maintenant, tu vérifies. Quoi? Ah, non, pas tu